comme ça. Allez. On laisse le micro. Vous pouvez parler, vous mettez loin. Mettez loin. Oui. 3-4. Je tiens, c'est un jour historique. Parti politique avec organisation politique qui n'a opposition. Hein? Après plus passé 7 mois, ils ont fait un travail ensemble. Ils ont gagné l'honneur, et vraiment le grand honneur, pour vous présenter à la nation, à la presse nationale et internationale, la direction politique de l'opposition démocratique. C'est un effort extraordinaire. Nous connaissons comment il est difficile dans le pays ça pour nous travailler ensemble. Oui, il y a des difficultés. Oui, les choses pas facile. Mais nous travaillons. Et je dis, pour capables de sous table là, veillez-vous, c'est que démocratie des populaires, fusion, OPL, Uniforce, Unité, AAA, Mokrena, et toute partie politique avec organisation SAIO, mettez-vous ensemble. Objectif là, c'est organiser bataille politique là. C'est continuer à discuter avec tout secteur dans le pays pour nous présenter à la nation le plus vite possible une proposition très claire de sortie de crise. Et deuxième objectif là, c'est renforcer mobilisation dans le pays depuis quelques temps pour nous arriver effectivement à retirer Jovenel Moïse au pouvoir bien avant 7 février 2021, qui c'est date du obligé du pouvoir d'après constitution. Alors, merci en pile, encore une fois, aujourd'hui, nous célébrons l'unité des forces démocratiques, l'unité des forces de définitivement, c'est un acte historique que nous présentons l'unité ça deux jours avant anniversaire, la mort Papa Nation, hein, qui est un gros projet, un vrai projet pour Haïti. Et nous pouvons définitivement, je peux le dire, c'est la vérité, nous sommes dans la bonne direction. Merci. 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 Allô. Mes amis, et nouvelles difficultés qui viennent là. Pendant nous pour faciliter notre fonctionnement, ça, on fait un beau silence pour conférence en fait. La balle chaleur, non, super conférence. Merci à vous. Je salue toute la personne qui répond présent à l'invitation. Merci beaucoup. Message opposition dans le jeudi 15 octobre 2020. Présentation direction politique opposition. Depuis plusieurs mois, une quantité de partis, organisations, groupements politiques, acteurs dans la société civile mettent tête ensemble pour faire face carré à le régime dictature PHTK, pour faire respecter la Constitution et puis faire pays à fonctionner dans l'ordre et la démocratie. Et structure politique, ça y est, dans l'opposition, faire concertation avec un pile l'autre organisation politique et un pile monde dans la société civile pour atteindre l'objectif. Peuple haïtien habitué à suivre position publique, parti et organisation politique SAIO sous divers événements qui passaient dans une conjoncture difficile pays plusieurs fois déjà. Je dis,
nous voulons présenter devant l'opinion publique là une structure direction qui prénom direction politique opposition parti et organisation politique qui forme direction politique ça c'est Haïti en action AAA vision sociale démocratie vision Mouvement chrétien pour un nouvel Haïti, Mokrena, Organisation Peuple Capilité OPL, Uniforce, Unité, Secteur démocratique et populaire, Vérité et Veillé. C'est un espace qui a prêté l'ouvrir pour l'autre parti politique et organisation rentrée en Dani. Il a carré joindre nous. Notre combat pour défendre les valeurs démocratiques et puis libérer le pays en bas pouvoir tête chargée qui notre tête liée. Premier mandat direction politique ça, c'est suivre l'évolution situation politique là en permanence et puis définir action qui peut faire conjointement avec l'autre acteur qui concerne pour atteindre l'objectif qui fixé. Deuxième mandat direction politique ça. Poursuivre discussion avec divers autres secteurs en société pour préparer gouvernance pour la transition. Plus gros action direction politique à Chita sous unité et inclusion dans la recherche d'une entente nationale. Nous gagnons pour nous convaincre. Yon maximum compatriotes pour rejoindre nous dans l'île pour démocratie, pour libérer la justice et pour forcer tout le monde respecter maman loi paysan, président république là en premier, président pas vrai mettre en tête lui, les sous tête constitution avec la loi paysan, lui qui a dirigé paysan selon bon plaisir. Combat nous. Amenez-nous sans manque dans l'ordre de gouvernance transition. Nous avons pour nous convaincre une grande majorité parmi les compatriotes pour nous faire comprendre le dialogue dans le temps démocrate haïtien indispensable pour construire un consensus qui a amené nous dans le projet national. Il y a des gens qui veulent faire quoi? C'est opposition à tout prix qui voulait une période de transition. En réalité, si je dis nous obligés à parler de transition, c'est parce que c'est ça. Président Jovenel devrait payer et puis lui imposer société. Définition de transition, c'est période qui trouve en moment où sortit dans l'autre constitution à fonctionnement normal institutionnel. Et moment côté où remettre la démocratie à sous rail. Les présidents ont eu 7 élections pour l'organiser d'après la Constitution. D'après la Constitution, ils ont prêté serment sous l'IA. Ils n'ont pas organisé une même pendant 4 années qui passaient là. Et ils arrivaient dans le fin mandat. C'est l'option qu'ils quittaient pour le pays, c'est la transition. C'est ça qu'ils offrent au pays. Depuis le mois de juillet 2020, depuis le mois de janvier 2020, nous, en dehors cadre constitutionnel, là, ça veut dire que nous avons transition déjà. Seule différence, président pensé, l'Ikamenel Bougon. Nous ne jamais suspendre, rappeler président, disposition article 150 constitution qui dit chef l'État, pas qu'à exercer aucun pouvoir constitution à Bali. En attendant, président quitter le pouvoir, c'est nous-mêmes qui pour réfléchir ensemble. Sous le contenu de transition RIPTI, nous avons besoin de transition coupe et fâché, nous avons besoin de pays, sous dialogue national, là, sous organisation de vrai procès pétro-caribé, sous jugement assassin qui fait divers massacres sous peuple là, dans diverses occasions. Je vais passer la parole là. À Yuri, pour présenter le principe respect de la Constitution. Développer ces droits à point 4
qui parlait de fin mandat président Jovenel, 7 février 2021, avec nécessité pour international là accompagner une vraie démocratie pour nous gagner une vraie démocratie. Mais avant de commencer, on a profité de remercier toute partie politique, commencer par collègues, coordonnateurs qui sont à table là, qui lundi et accompagné le que nous avons exécuté Diogène Elias Eric. Et pendant que nous avons tout le monde était là qui a accompagné. Maintenant, en pile de personnalité, en pile de parti politique, nous voulons voir comme notre podio représenter ce parti. Et nous remercier pour le moment difficile ça. Sauf l'ILCC qui, le lendemain de matin, que l'exécuté Rico l'a voyé papier par une autre pour demander information. C'est-à-dire continuer à persécution. Mais nous disons tout le monde, merci de nous informer de la fédération. Il a annoncé que le seul du bras allait mieux, lui quitter l'hôpital. Ça m'a dit jeudi, c'est que date constitutionnelle pour le président Jovenel Allais, c'est 7 février 2021. Ce n'est pas une date politique, c'est une date constitutionnelle. C'est 54 jours qui dit. Et à la veille de ça, ça nous raquait. Son pays qui est cancérisé, son pays qui par un système électoral. Là, nous disons cancérisé, nous avons police. Police là, techniquement, il fait et il est politisé. Techniquement, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que il n'y a pas aucun plan la suivre. Il n'y a pas de plan la suivre. Il n'y a pas formé. Il n'y a pas déployé, les gens peuvent déployer. Unité spécialisée par fait travail. Ils vont à côté parce qu'il n'y a aucune formation continue. Et l'homme police qui fait et puis qui politise, ça veut dire ça. Grade du bail. Force du bail, c'est pas là qui baille. Tout ça qu'a fait en dedans, des unités spécialisées, qui est policier qui va jamais travailler là-dedans. Ils dépendent directement des chefs politiques et c'est eux qui ont fait leur bail dans la rue. Directeur général de la police, là, il doit garder tout qui va travailler seulement. Il a découvert, mais il a fait. Ça veut dire qu'il y a un gros contrôle. En pile, on a tombé dans la rue. Et les policiers, ça y est, ils ont pas bien ce côté. Ils dépendent des chefs politiques. L'heure où ils veulent dans une situation comme ça, citoyens dans la rue, ils livrent à eux-mêmes tout le monde. N'importe quoi qui est arrivé, n'importe qui l'heure, donc l'insécurité, les blagues dans le pays, dans le niveau technique, dans le niveau politique. Pendant que la police a, il y a 9 000 qui ont sécurité, mais dans quel niveau il y a été, côté que il n'y a pas fait travail. À côté de système ça, qui n'est pas fonctionnel, insécurité qui a blâmé, pas de système électoral dans le pays. Même 4 pas de monde, puisque le gouvernement ça a dit qu'il a fait 4. Après 2 ans, on y va en rapport m'a dit, seulement, d'après ça, on y dit que nous ne pouvons pas. On y dit, il fait 3 millions 4, il distribue 2 millions. Nous, en octobre 2021, si on y fait 2 ans pour avoir 3 millions 4, et que 7 millions électeurs, il était 4 millions, il dit, on y fait 11 000 4 par jour. Pas de monde qui voit. Mais si nous étions sous donner lieu, il a fini faire 4 là. En février 2022. Ça veut dire que pas de aucun moyen, pas de ni système électoral, ni carte, ni sécurité. Et ça va dire blanc qu'on aime, parce qu'il a fait un rapport pour l'immatique. On va savoir l'Amérique qu'on aime, Canada qu'on aime, Allemagne qu'on aime. Nous disons, nous voulons démocratie, on a fait. Nous qui là, c'est démocrate convaincu. Nous voulons démocratie côté que, à bien sécurité, et un système électoral qui gagne élection. Pour ça qui est bon, pour ça qui est gagné. Donc, la vie internationale là, pour que je dis, il n'est pas rentré dans ça, parce que les salles quoi. Je dis, le secrétaire général de l'ONU, lui ose dire que c'est grâce à la gang de sécurité. Côté, on secrétaire général de l'ONU, c'est qu'à dire ça,
Alors l'un dit ça, les trois avis la police là. Les trois avis même. Je dis à tout le monde va payer 9 milliards pour sécurité. N'a dit secrétaire général là toi-même. Haïti, son pays, c'est une liberté. Je dis à ces démocrates qui réunissent là. Et les démocrates réunis pour une démocratie, font une sécurité et font un système électoral qui va dépasser pour qui. Et c'est peut-être ça que nous avons préparé et nous avons proposé ça pour nous faire la transition. Et nous avons dit, international là, premier pour que nous accompagnions vers la démocratie parce que Haïti pas pour la démocratie au rabais. Merci à vous. Ma petite voix, peuple haïtien, ma petite voix, Dieu toi qui l'a, pour nous présenter sympathie, nous, par nos camarades, par nos collègues, par nos frères, qui sont sénateurs. Sénateurs, oui, nous souhaitons courage, et vous faites preuve de ça, et vous pouvez jouer à toute persécution, ou à vivre. C'est pour conviction politique, c'est pour position politique, et c'est pour engagement de votre peuple-là, ou pas pour contre, peuple haïtien à bord, et tout le monde qui est sous table là, et tout le monde qui est dans la salle là, et à bord, à vous comme par malheur, vous journalistes. Et vous félicitez pour le courage. Jean, tout intervenant au soutien là, son conférence de presse spéciale. Et c'est dans ce sens-là, moi-même, je viens pour me parler concernant l'assassinat de Maître Montferrier d'Orval. Je viens pour me parler de l'assassinat, pour me parler de Rico, chef de sécurité de Louis. Je viens pour me parler de toutes les questions d'identité que le gouvernement a parlé. Sauvé Louis, ce qu'on dit par les souris, pour dire nous. Dans la logique, ça a blanc, mon plan pour offrir une démocratie pépé. Et nous pas la démocratie pépé ça. Nous, l'autre fois encore, nous-mêmes, directeurs qu'il a, nous condamnons à toute force l'assassinat qui fait sur Montferrier d'Orval. Nous disons, type d'assassinat, ça y est, c'est pour faire en place là qui est responsable. Parce qu'il y a responsabilité. Pour assurer la sécurité à tout le monde. Au lieu de faire ça, ils préfèrent assassiner les citoyens. Nous connaissons à quelques mètres de Caille Jovenel, ils ont assassiné M. Dorval. Et dans ce sens-là, nous-mêmes qui là, nous demandons justice pour M. Dorval. Pendant la demande de justice là, nous-mêmes, avec Vapanou, nous disons pour. Déclaration barreau pour le faire, déclaration barreau à travers le monde, fait pour demander une commission d'enquête internationale qui est expert là-dedans qui nous vient de vérité. C'est la même logique là. Nous condamnons avec toute force tout massacre qu'a fait à travers le pays, particulièrement ce qui a passé vers l'aide dans le moment. Nous disons. Nous sympathisons avec vous parce que c'est Haïtien qui a tombé, c'est Frère Axel qui a tombé. Et dans ce sens-là, nous disons, nous demandons justice pour vous et nous croyons que la justice nous prend responsabilité pour ne pas être la justice. Et dans le même sens, les cadres d'organisation internationale, comme pour l'organisation des droits humains, qui condamnent sa capacité de l'air, la saline et de partout. Nous disons, massacre qu'a fait tout ce pouvoir qui est responsable. Et même Jean, nous avons constaté, en basant tout le monde, côté agent sécurité palais national, t'a assassiné Grégory Saint-Hilaire. En dedans, université. Ça, ce bagage jamais vu. Nous pas jamais moué ça, même sous Tivalier, pas jamais qui bagaille ça. Et c'est ça que fait nous-mêmes qui sous table là. Nous condamnons et demandons justice pour Grégory Saint-Hilaire. Et c'est la même logique là, j'ai commencé à nous demander justice pour Grégory et pour Rico, chef de sécurité, lui la torture. Nabdi, assassinat ça a été visé directement sénateur Yuri, parce que à 5 minutes que sénateur Yuri quitte Rico,
Nous faisons pour manquer sur le sénateur, mais nous prenons le coup quand même. Ça nous dit en clair que nous voulons assassiner, nous et une menace qui penche sous opposition en général. Et nous dit opinion nationale et internationale. Tout leader qui est en opposition, sécurité, il a assuré avec le peuple, mais Jovenel a une responsabilité par rapport à la menace qui a tombé sous toute opposition. Dans la même logique, là, on a dit pouvoir en place. Il y a un plan pour retirer l'identité de nous. Il y a dit quatre identités non pas valables. Il y a dit quatre électorales qui sont dans nous pas valables. Il y a dit passeport non pas valable. Licence non pas valable avec un décret sévère. Même qui là, nous dit quatre ça, c'est l'identité de nous, pièce ça, c'est l'identité de nous. Nous avons été croyés là-dedans et faut nous-mêmes nous protester, nous agir contre le pouvoir ça, pour nous faire respecter le droit nous, pour nous capables d'identifier nous à pièce ça. Et nous prenons un jour de Balbina, nous continuons de concerter pour nous garder l'opportunité de nous acte de désobéissance civile par rapport avec des massacres. Imaginons, Jean Sénateur Yuri Sotil là, bureau qui a fait 4 ans dans le pays, qui a démarré, qui a reproché, n'est pas capable de river par tout le monde. Je dis à vous parler de 2 millions et 3 millions de monde qui ont fait 4 millions. Alors que le pays a environ 7 millions de monde qui a fait 4 ans. Si vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas arrêter dans l'arrière. Et si nous-mêmes nous étions abdominés, et si nous ne pas réveiller nous, on met pouvoir dictatorial ça. Pour imposer nous nos bagailles contre volonté nous, pendant que nous allons arrêter nous pour quatre qui ne pas cavaler. Et dans ce sens, il faut exiger pour nous reconnaître passeport nous, quatre identités nous, licence nous, et toute pièce qui est capable d'offrir les cadeaux aux autorités pour nous-mêmes nous identifier. C'est dans ce sens qu'on a demandé pour nous-mêmes nous dénoncer les actes ça. Et tout directoire lui-même qui dénonce. Je vais finir pour me dire nous, dans quatre batailles qui sont là, c'est nous-mêmes qui pouvons responsabiliser nous et partis politiques avec organisations politiques qui ont commencé à prendre responsabilité. Et c'est ça que fait tout à l'heure là. Et vous demandez pour nous porter support, pour nous porter un cadre de soutien par des démarches unitaires qui ont fait dans le pays. Pour définitivement nous vivre avec une opposition de rupture pour nous bailler peuple une autre l'espoir, une autre l'avenir. Et c'est dans ça que nous pouvons jouer, et c'est dans ça que nous pouvons jouer. Est-ce que nous perdons? Est-ce que nous perdons? Non! Est-ce que nous perdons? Non! Je vais mener à ce qu'on fait. Est-ce que nous perdons? Non! Est-ce que nous perdons? Non! Est-ce que nous perdons? Non! C'est peut-être ça. J'en vois, les gens qui parlent avant, ils se disent, les gens qui parlent avant, ils se disent. L'année dernière, nous-mêmes, nous avons gagné, marché côté et allié, nous avons gagné, et le secteur démocratique est allié. Je dis à nous faire un seul. Nous faire un seul pour mener une seule bataille. Parce que l'homme unique, pour gagner force. Et c'est ça la célébrer aujourd'hui. Dernier point, la présenter par la presse, c'est important pour nous continuer mobilisation. Important que tout démocrate conséquent dans le pays, doit travailler ensemble pour bloquer le projet dictature Jovenel Moïse. Là. Depuis le mois de juillet 2018, haïtiens pour haïtiens, je lance un message clair pour voyez jeter bien loin mode gouvernance pouvoir en place. Là. Dans plusieurs occasions et pendant plusieurs mois, les haïtiens répondent à l'appel parti politique dans l'opposition démocratique là, massivement. Mais le président a choisi de fermer ses oreilles, de coucher ses oreilles en béton. Il refuse d'entendre cris ou revendications légitimes peuple.
dans le moment mandat constitutionnel président Jovenel Moïse là rivé dans boucle tout haïtien conséquent qui voulait changer pays à véritablement qui voulait un dialogue sincère qui voulait un pays qui doit récupérer l'argent Petro-Caribe pour PHTK à copier l'autre volant qui voulait pour nous juger et puis condamner tout le monde qui voulait pour petit peuple pour petit peuple à pouvoir exécuter joindre justice pour toute victime massacre la saline assassinat qui fait belle victime belle tout le monde qui mourir tout le monde qui est en prison pour commercer ta jeune libération c'est pour nous tous nous prendre la rue mes amis c'est une mobilisation qui doit réunir toute cause sociale dans le pays pour nous donner un message clair à Jovenel Moïse. C'est pas une mobilisation d'un jour, c'est pas une mobilisation d'un jour, c'est une mobilisation tout le temps en quatre coins de pays pour nous capables contre Jovenel Moïse qui était pouvoir. Nous appuyons toute initiative, mobilisation pacifique, toute organisation dans tout le pays à plan. Nous passons en plus de pouvoir. Je dis à nous dire que nous ne pouvons pas prendre la paix.